Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de justement de problématiques liées à la jeunesse, en première partie de l'émission, nous allons faire une sorte d'immersion dans le cercle familial. En parlant de la famille recomposée, évidemment, lorsque notre papa décide de se remarier, cette dame devient-elle automatiquement notre mère ou notre marâtre? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, nous allons quitter le cercle familial, cap cette fois-ci dans la vie estudiantine. En tant qu'étudiant, comment mieux gérer sa consommation d'électricité quand on sait évidemment qu'être étudiant est à beaucoup de complications derrière? Eh bien, on a la chance d'avoir sur ce plateau des étudiants. Ils vont nous livrer, eux, des astuces qui, en tout cas, permettent à ces étudiants de mieux gérer leur consommation d'électricité. En fin d'émission, évidemment, vous aurez plusieurs informations sur la deuxième thématique. Ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment d'un habitué du plateau, il s'agit de Elvis. Elvis, vous êtes étudiant en génie civil. Merci de nouveau d'être là sur ce plateau de Génération News. Merci Régis, le plaisir est partagé. Plaisir partagé, on l'espère également pour un nouveau sur ce plateau de Génération News. Morel, vous êtes entrepreneur, étudiant également en génie civil. Un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci Régis d'être là. Et on remercie également un habitué de ce plateau Génération News, Juste, vous êtes juste parfait, évidemment. Juste, vous êtes étudiant en management, marketing, qualité. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Très heureux de te recevoir évidemment sur ce plateau Génération News. Le plaisir est pour moi, Régis. On va terminer cette phase de présentation avec la seule femme de ce plateau. Il s'agit évidemment de Bénie Dieudonné, étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à toi. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, je l'ai souligné en introduction, on va parler un petit peu du cercle familial, mais en l'occurrence, la famille recomposée, entend le là de cette première thématique. Béni, on parle de la marâtre, on parle de la mère, mais avant d'entrer évidemment dans le vif du sujet, définition étymologique des mots, en l'occurrence mère et marâtre, quelle définition donnerais-tu à ces deux mots-clés? Donc, étymologiquement, marâtre signifie seconde épouse. D'accord. Mais c'est avec le temps, en fait, que le mot marâtre a pris un sens un peu plus péjoratif. Péjoratif dans quel sens? Dans le sens où on attribue un caractère mauvais, un peu sévère à la marâtre, ce qui n'est toujours pas le cas. D'accord. Et par définition, une mère peut être celle qui a donné naissance ou celle qui a élevé un enfant. D'accord. Et pour le coup, une marâtre peut devenir une mère. Mm-hmm. Il faudrait un petit peu... C'est quoi le processus, justement? Comment y arriver? Comment elle peut y arriver? Évidemment, ce n'est pas ta situation, mais s'il fallait que tu observes et que tu apportes un petit peu des pistes, comment le processus peut se dérouler, selon toi? Effectivement, c'est possible pour une marâtre de devenir une mère. Il suffit juste que les deux côtés, c'est-à-dire l'enfant et la marâtre, puissent faire des efforts mutuellement pour arriver à un quelconque résultat. D'accord, on parle de résultats. Juste, ce résultat, tu l'as quelque part déjà eu parce que tu as expérimenté ce voyage maternel, j'ai envie de dire, parce que je rappelle que ton papa a trois épouses. Et du coup, bah, toi, tu as grandi un peu dans cette béatitude-là, dans cet amour que les trois t'apportaient. Est-ce que quelque part, ce n'était pas un petit peu difficile, ce voyage à la recherche du bonheur, j'ai envie de dire, entre ces trois femmes qui t'ont élevé chacune à leur manière? Est-ce que ce n'était pas un petit peu difficile, le fait d'en avoir trois moments? Bon, au début tu as l'impression d'être un étranger. D'accord. Dans ce foyer-là. Parce qu'il y a une femme qui est là dans tes consciences qui ne sait pas maman. Oui. Et il y a tes frères qui sont là. Heureusement pour moi, on n'a pas de différence au fait. On ne fait pas de différence. Toi, tu es l'enfant d'un tel, toi, tu es l'enfant d'un tel. Pour nous, on est frères et sœurs. D'accord. Et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Et je pense qu'avec le temps, elles ont commencé à faire des efforts. Parce que, pour rappeler, c'était depuis l'âge de 4 ans. D'accord. C'est depuis l'âge de 4 ans que tu te baladais, baladais, c'est façon de parler, mais je veux dire, c'est depuis 4 ans qu'il y avait ce voyage-là, que tu avais déjà installé, le fait d'aller chez la première, la deuxième et la troisième épouse de papa. Voilà. D'accord. Au début, c'était juste chez une qui me déposait. C'est avec aujourd'hui, c'est l'une que j'apprécie énormément, elle s'appelle Maman Yolande. D'accord, qu'on salue au passage, Maman Yolande, ouais. C'est cette femme-là aujourd'hui. Attention, si tu salues Maman Yolande, il faut saluer d'autres mamans aussi. Oh, oui. Bon, on aura l'occasion tout au long de cette émission, mon cher. Exactement. Ne t'inquiète pas. En fait, si je la prononce elle en premier, parce que aujourd'hui, quand je parle de maman, je la vois elle d'abord. D'accord. Je vois la petite sœur de ma défunte mère, et ensuite, je vois les autres. Pourquoi elle? Parce que moi, je ne la considère pas comme une marâtre.
Je la considère pas, je la considère pas comme une marâtre parce qu'elle m'a tout donné. Elle m'a D'accord. élevé depuis l'âge de 4 ans. Prendre l'enfant de ton mari depuis l'âge de 4 ans et faire en sorte que voilà qu'il se sente à son aise. Elle l'a fait, mais malgré ça, il y avait toujours cette différence-là que je ressentais des fois. Et à quel moment tu as commencé? C'est vrai qu'elle t'a élevé très jeune, mais est-ce qu'il y avait toujours ce sentiment un petit peu de l'inconnu, ce sentiment de rejet? Est-ce que tu t'es senti bien dans toutes les maisons, en l'occurrence dans les trois maisons où tu avais tendance à y aller quand tu étais plus jeune et quand tu as commencé à être un peu plus adulte, majeur et tout ça? Est-ce que à ce moment, tu t'es dit, bon, je me sens peut-être mieux ici que l'autre côté où j'ai le sentiment qu'on me juge, où on ne m'accepte pas? Comment ça se passait? Est-ce que tu as ressenti ça déjà? Oui, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. D'où j'ai quitté la maison de papa en 2012 sans alerter quelqu'un. D'accord. Il m'a cherché pendant toute la journée et le soir. En C'est fait, t'as fugué, quoi. voilà. D'accord. C'est la petite soeur de maman qui l'appelle. Bon, celle que j'appelle maman. C'est elle qui dit que non, mais il est là et tout ça, tout ça. Mais il doit revenir à la maison. Et j'ai dit non, je rentre pas. D'accord. Et au départ, il ne comprenait pas pourquoi. Mais moi j'avais fait comprendre que voilà, je ne me sentais plus à mon aise chez papa. Il peut avoir le luxe qu'il faut, tout ce qu'il faut, mais tant que je n'ai pas ce sentiment de recevoir cet amour-là, je ne Ouais. me sentais pas à mon aise. Je sais qu'elle faisait de son mieux, elle faisait de son mieux, mais c'est juste qu'à un temps, cette différence entre ses enfants et moi, ça se faisait ressentir, et moi, ça me peinait. Effectivement, c'est un peu là aussi le côté un peu sombre, j'ai envie de dire, Morel, je me tourne vers toi, de cette cohabitation-là. Tout à l'heure, Béni a évoqué un point aussi qui est très important. Elle parlait de, je vais un peu paraphraser ce qu'elle a dit, c'est de faire le premier pas chacun de son côté. Mais effectivement, le processus, elle a un petit peu donné des éléments de piste, mais concrètement, je veux dire, ok, est-ce que c'est à l'enfant de faire des efforts ou c'est à la femme, enfin la femme, la nouvelle femme de papa, d'également faire des efforts dans ce sens-là? Comment c'est censé se passer concrètement lorsqu'on est confronté à une telle situation? D'accord, donc merci Régis. Moi, je soutiendrai le point de vue de Benny parce que l'effort, il doit être mutuel. Il D'accord. doit venir des deux parties. Pourquoi? Je m'explique à travers ce petit exemple-là. La marâtre, considérée comme la belle-mère notamment, parce que marâtre a ce côté péjoratif, comme elle a dit. Donc j'aimerais plutôt dire la belle-mère, elle a cette obligation-là de faire des pas vers l'enfant, vers D'accord. ses beaux-fils et ses belles-filles. Parce qu'elle est déjà la plus âgée, la plus adulte, et donc doit être considérée comme étant la plus sage. Donc, quelle que soit la manière dont son beau-fils ou sa belle-fille la considère, elle devra avoir ce recul-là, de comprendre qu'ils sont encore dans un âge délicat, c'est-à-dire, par exemple, dans l'adolescence, ils sont dans cet âge-là où ils sont en train de se chercher. Donc, Exactement, lorsqu'ils ouais. décident de se braquer sur eux-mêmes, elle devra avoir cette sagesse-là, ce recul-là, d'aller vers eux et d'essayer de les comprendre. Et au-delà de ça, il faudrait qu'on prenne en compte aussi l'implication de leur mère biologique Ouais. dans la relation qui unit belle-mère Effectivement. et beau-fils. Ouais. Parce que le fils ou le beau-fils de la marâtre pourrait bien être intéressé à se rapprocher de la marâtre, étant donné du fait que c'est un même foyer. Pour qu'il y ait convivialité et bonheur dans ce foyer, il faudrait véritablement qu'ils apprennent à se comprendre, qu'ils apprennent à cohabiter ensemble. Mais si derrière, il y a cette intention-là de la mère biologique de nuire au nouveau foyer de ses enfants, vous comprendrez que, quels que soient les efforts qu'ils auront vers leur belle-mère, ils n'aboutiront pas. Parce que lorsque tu as cette pression de ta mère biologique-là, de celle qui t'a éduqué, qui te dit tout le temps que telle personne est mauvaise, vous finirez par le croire. Même si au fond de vous, vous avez cette conviction-là que cette personne vous veut du bien, mais avec cette pression négative qui pèse sur votre dos, vous aurez du mal vraiment à concrétiser cette relation, cette belle relation-là que vous voulez établir avec votre marâtre. Effectivement, et ça peut même, comme vous l'avez souligné, empoisonner la nouvelle relation et même la relation, surtout le fils en fait, qui se retrouve au milieu d'une querelle entre la mère, la génitrice et la marâtre. Effectivement, et du coup, l'enfant devient un peu perdu parce qu'il ne sait pas de quel côté se ranger, de quel côté pencher, effectivement. Elvis, évidemment, à chacun donner son point de vue là-dessus, hein, sur la thématique. Moi, j'ai envie de savoir quelle pourrait être là, tout de suite, un petit peu dans la situation décrite par Morel, le rôle du père, parce que évidemment que le père aussi, en étant chef de famille, a son petit mot à dire. Quel pourrait être son rôle? Évidemment qu'il va jouer le rôle de médiateur, mais comment il peut effectivement faciliter les choses? Le rôle qu'il doit jouer, je dirais que, au fait,
de dire d'abord à la femme qu'il a pris comme épouse, qui va remplacer celle qui était là, de ne pas manifester l'indifférence, au fait. D'accord. Faire asseoir aussi ses enfants, d'abord ceux qui... Faire asseoir aussi ses enfants et les parler. Et du coup, c'est l'amour qui croit tout, au fait. Moi, je pense qu'une mère qui manifeste de l'amour, au fait, au sein d'un foyer, même si tu n'es pas la bienvenue, genre, si tu manifestes l'amour, l'amour va toujours, comment on appelle ça, diluer ou bien absorber cette méchanceté. Tu finiras par les impacts. Ils vont se dire, oh, c'est pas notre mère, mais quand même son caractère nous impacte, nous influence. Vous voyez? Ouais. Parce que si je prends mon exemple, par exemple, ma mère, elle était, elle est la marâtre des, comment on appelle, de mes frères et sœurs. D'accord. Mais moi, j'ai pas trop vu cette indifférence, au fait. C'est-à-dire qu'elle arrivait dans le foyer, elle a pris comme étant ses filles. Oui, oui. Il y avait des problèmes, oui, bon, pas tout le temps. Il y avait des moments où tu sens que là, c'est maman qui fausse, mais on est des humains, vous voyez. Il faut juste surpasser, supporter les autres, en fait. Mm-hmm. Après, il y a eu un moment, en fait, ma soeur a carrément giflé ma mère. Ouais, moi, bon, j'ai grandi avec cette amertume. D'accord. Mais elle a fini par pardonner. Pourquoi? Parce qu'on a fait asseoir les gens, il y a eu la communication. Et c'est comme j'ai dit, au fait, c'est le caractère qui impacte. Mm-hmm. Même si on dit marat, moi, je prends ça comme une appellation, une nomination. Mm. Mais être mère, au fait, ce n'est pas juste le nom, au fait. C'est l'amour, c'est les actes qu'on pose. Il y a tout un gabarit, tout un package, en fait, dans ça. Donc, c'est ça qui va faire oublier même que tu sois marat, au fait. Parce qu'il y a des gens qui jouent un rôle de mère. Il y a des marâtres qui savent jouer le rôle de mère, vous voyez. Donc, au fait, ça doit être réciproque, au fait, de deux côtés. Être conscient que oui, je suis, elle est la marâtre, mais ne voulons pas, ne l'empêchons pas à recevoir d'elle. Et ça crée aussi des blessures aussi aux enfants si la marâtre se comporte mal. Effectivement. Du coup, c'est difficile à être guéri. Béni, Elvis a souligné un point très important. Il a parlé un petit peu de violence. Les violences aussi dans cette nouvelle famille, parce qu'on peut l'appeler ainsi. Donc, il faut avoir, comme il l'a dit, la capacité à mieux gérer ce genre de situation. Mais on a souvent le problème, on a souvent l'impression, pardon, que le problème est parfois ailleurs. On va essayer d'entrer un petit peu dans la tête, évidemment, dans la conscience. C'est la tête de la marâtre, cette femme nouvellement mariée qui arrive dans une famille recomposée. On a l'impression que tout de suite, elle a des défis et elle est jugée par rapport aux actes qu'elle va poser. Pardon. Est-ce que ça aussi, ça ne freine pas un peu cette envie soulignée par Elvis et par Morel, l'envie de bien faire les choses, le fait qu'en fait, on est un petit peu surveillé comme du riz sur du feu, en fait. Mm-hmm. C'est tout à fait. Je pense que les marâtres ou les belles-mères d'aujourd'hui reçoivent énormément de pression. Ouais. Parce que je pense qu'on a déjà une idée faite des marâtres, que ce soit sur toutes les scènes médiatiques, historiques. Vous allez remarquer que dans toutes les histoires, dans toutes les séries, la marâtre, c'est toujours la mauvaise maman. Ouais. Donc, quand elle arrive, je pense qu'elle reçoit beaucoup de pression. Elle veut tellement bien faire et tout dépend également de la façon dont ces enfants-là l'accueillent. Ouais. Si ces enfants-là l'accueillent d'une mauvaise façon, ça sera compliqué pour elle aussi de manifester son bon côté. Parce qu'au bout d'un moment, à vouloir bien faire, si les autres ont toujours une mauvaise image d'elle, elle finira forcément par se lasser, en fait. Oui, effectivement, et se lasser, c'est quelque part mettre son mariage en péril aussi, Béni. On a l'impression qu'elle est obligée d'y aller, coûte que coûte, et quoi que cela peut coûter à cette dame, il faut qu'elle y aille. C'est ça un peu le risque aussi, parce que trop de pression conduit peut-être à la dépression, et tu ne peux pas arriver dans un nouveau mariage et commencer à être dépressive, ça peut être compliqué. Donc, est-ce que la solution, c'est de baisser les bras ou bien de verser dans la communication, comme l'a souligné Elvis et Morel? Effectivement, la solution, c'est de choisir la communication, d'en parler à son époux et de trouver franchement les moyens de mieux communiquer avec les enfants, de les comprendre aussi, parce que c'est pas facile également pour un enfant d'accueillir une nouvelle maman, surtout si sa maman est encore en vie. Donc la solution, c'est vraiment la communication. Toutes les parties doivent s'asseoir et le père doit jouer son bon rôle de père de famille afin de trouver cet équilibre-là. Ça a été le cas pour toi, mon cher Juste. Est-ce que papa a dû intervenir effectivement pour que ce sentiment de rejet que tu avais déjà un petit peu perçu et ressenti disparaisse totalement? Est-ce que papa a joué ce rôle de régulateur, de médiateur dans cette situation à triple niveau? Oui, il a joué son rôle. À la perfection même, je veux dire, parce que si aujourd'hui nous tous on ne fait pas de différence entre toi tu es l'enfant de maman et toi tu es l'enfant de maman et tel, c'est que voilà, le chef de famille
Il a joué parfaitement son rôle. D'accord. Mais est-ce qu'il y avait des tensions entre frères au début? Est-ce qu'il y avait justement ce rappel inutile, j'ai envie de dire, que tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur, tu n'es pas ma mère? Parce que ce sont des phrases malheureusement dures, mais qu'on entend tout le temps dans des familles recomposées, ou pas. En général, on a tendance à ressentir et à écouter ce genre de phrases. Est-ce qu'il y a eu ce dysfonctionnement-là observé chez tes demi-frères et sœurs? Non, non. C'est ce côté que j'aime le plus dans tout ça. D'accord. C'est qu'on n'a pas fait de différence. On n'a pas fait de différence du tout. Mais j'admets que moi aussi, ça m'arrivait parfois, quand ça ne va pas, je craquais. D'accord. Je craquais parce que je dis que non, là, ça va. Tu n'es pas ma mère, tu n'as pas le droit de me faire ce que tu fais là. Oui, mais est-ce que cette tension-là que tu ressentais, le fait de craquer, hein, pour reprendre tes mots, est-ce que ce n'était pas aussi lié à la perte de ta maman? Est-ce que tout ça aussi ne te rappelait pas un petit peu des souvenirs assez durs? Si, parce que même si elles sont là, elles t'élèvent, elles t'éduquent, ce vide-là, tu vas toujours le ressentir. Ouais. Il y a ces fois, parfois, tu es seul dans la chambre, tu entends « Grâce, viens d'abord » et tout. Tu te demandes si elle était là, comment tu allais vivre, ouais. Comment ça allait se passer. Est-ce que tu aurais été dans cette maison? Vous voyez un peu. Et je pense qu'avec le temps, j'ai arrêté de trop y penser. J'ai arrêté de trop y penser parce que pour moi, sincèrement, je me disais que ça ne valait pas la peine. Elle est partie, ouais. Je dois la laisser en paix, reposer en paix. Celles qui sont là avec moi font déjà le travail. Et aujourd'hui, je ne pense pas que papa va m'emmener auprès d'une personne qui va m'empoisonner. Je pense que s'il y avait certains désaccords, c'est parce qu'on ne se comprenait pas. Enfin, empoisonner, peut-être un peu fort, mais une personne qui ne va pas prendre soin de toi. Voilà. Empoisonner, je parle dans le sens propre du terme, tel que voilà, on va m'empoisonner. Non, mais oui, non, j'ai compris, c'est t'empêcher de t'épanouir, voilà. Et beaucoup plus dans ce sens-là. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant, Edvis. Merci en tout cas, hein, juste pour ton témoignage. Ça apporte encore un peu, évidemment, une plus-value à l'émission. Elvis, il a évidemment parlé de beaucoup de points intéressants. Alors, il y a des phrases qu'on utilise parfois qui, malheureusement, sans s'en rendre compte, ça nous éloigne parfois. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme demi-sœur, demi-frère. Ce sont des termes, des appellations parfois qui créent encore beaucoup plus le conflit, qui éloignent au lieu de rapprocher. Donc, est-ce qu'il va falloir, à un moment donné, bannir, surtout quand on est dans une famille recomposée, bannir ce genre d'expression, ces appellations? Oui, tout à fait. Ce sont des expressions qui doivent être bannies parce que, comment on appelle ça, ce que j'écoute, au fait, ça peut, même si je, en voyant ça, quand je reçois ça, ça peut me blesser. Toi, tu ne vois pas ça intérieurement, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu ça. Déjà, sur son témoignage qu'il nous a donné, certainement, il s'est accroché à une. Pourquoi? Parce que cette personne s'exprimait sûrement bien par rapport aux autres, ouais. Et manifestait l'amour. Et du coup, ce manque d'amour qu'il n'a pas reçu de son cœur, c'est cette femme qui est en train de compenser. Voilà pourquoi même quand il est en train de parler de son argumentaire, il dit même que non, il n'y a que une. Ouais. Bah, il a ressorti des trois, il a ressorti une. Ça veut dire que cette personne l'a impactée, influencée. Ouais. Donc, c'est un peu ça, au fait. Évidemment, des termes à bannir, oui, juste. En termes de demi-frère, ça, il faut bannir. Comment ça, demi-frère? Ouais. T'es moins des frères, il n'y a pas de demi. Ouais. Bah, c'est courant en Afrique, hein, ces expressions-là. Voilà, c'est ma demi-sœur, c'est okay. Mon demi-frère. Effectivement, c'est à bannir parce qu'on est frère, tout court. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de. Voilà, soit on laisse, on ne l'est pas, quoi. Déjà, le son qui influence, c'est le son de ton père. Si vous avez déjà le même nom avec ton père, c'est largement. Parce que s'il est malade, il a l'hémorragie, on va prendre le son du demi-frère, non? Ou bien? Ouais, évidemment, on voit s'ils sont compatibles. S'ils sont du même groupe. Il y a même des traits de personnalité, tu sauras que ça, c'est un tel. Donc, ça, c'est pas des. Bon, moi, j'ai envie d'aborder notre point avec toi, mon cher Morel. On a parlé un petit peu de la responsabilité du mari, de l'époux, mais qu'en est-il de la belle-famille aussi, quelque part? Est-ce que la belle-famille aussi a un rôle à jouer dans le fait d'accueillir cette nouvelle femme et de faciliter les choses aussi? Quand on sait qu'en Afrique, l'éducation, on peut très bien l'avoir de papa, de maman, de la grande sœur, du grand frère, de la grand-mère aussi. Donc, en l'occurrence, la belle-famille, du coup. Comment effectivement cette belle famille pourrait être, on va dire, un havre de paix pour cette nouvelle femme qui arrive dans une famille où elle va devoir faire ses preuves, comme l'a souligné Benny. D'accord. Donc vous l'avez dit, Régis, ce sera à la femme de faire ses preuves en arrivant dans cette nouvelle famille. Mais moi, j'aimerais plus dire que le boulot, il a à faire de la part du mari. Parce que c'est un travail préparatif déjà qu'il faudra faire, ouais. Bien avant la nouvelle union.
bien avant que le nouveau foyer ne s'installe, c'est un travail préparatif que le mari devra faire vis-à-vis de sa famille. D'accord. Il faudrait déjà que cette nouvelle femme-là, cette future femme, soit acceptée avant qu'il y ait union. Mm-hmm. Parce qu'on constate un phénomène qui est récurrent maintenant, de plus en plus récurrent dans nos sociétés, c'est qu'il y a des mariages qui ne sont pas acceptés par nos familles respectives. Et vous conviendrez avec moi dès lors qu'on est dans ce cas de figure, dans un mariage où la belle-fille n'est pas acceptée par sa belle-famille. Si vous persistez pour qu'il y ait union, pour qu'il y ait installation d'un nouveau foyer, quels que soient vos efforts pour la faire accepter par votre belle-famille, les efforts pourront être, je le dirais, vains. Mmh. Donc, il faudra déjà que ce travail préparatif-là soit fait pour que cette belle-famille accepte au préalable leur future belle-fille comme étant la nouvelle mère de leur petit-fils. Si ce travail-là n'est pas fait ou si ce travail-là est mal fait, je peux dire que les efforts qui suivront seront pour autant vains. Ouais. Donc moi, je dirais que le travail, il a à faire de la part du mari, mais lorsque le foyer sera installé, pour qu'il y ait vraiment cette communion-là, comme vous l'avez si bien dit, qu'il y ait cette communion et cette joie de vivre au sein de la famille, ce sera à la mère maintenant de faire ses preuves, à cette marate-là de faire ses preuves. Mais bien avant ça, il faudrait que le travail soit fait par le mari. Est-ce que vous avez déjà vécu, ou bien vous connaissez des amis qui ont vécu des situations similaires? Bon, évidemment, on a notre ami ici, juste, qui nous a livré un magnifique témoignage, mais je veux dire, est-ce que toi, tu serais capable aujourd'hui, Béni, par exemple, d'orienter une copine ou un ami ou un camarade de classe qui se retrouve dans une situation comme ça? Est-ce que tu as assez des mots? Parce que là, il faut des mots justes. Moi, j'ai entendu Morel avec des mots très justes, et juste aussi avec ses mots justes. Pareil, hein, tout le monde sur ce plateau. Mais je veux dire, est-ce que c'est facile de devoir gérer ce genre de situation quand on en face de nous, un ami qui est dans la détresse, qui est dans le besoin? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses avoir les mots justes? Enfin, je ne sais pas trop si j'ai les mots justes, mais ma mère a eu à vivre dans ce genre de situation et c'était affreux pour elle. Malheureusement, elle est tombée sur des marades pas très, pas très joviales ou pas très aimables. Et dans son récit, j'ai pu comprendre qu'elle a beaucoup souffert. Et je pense qu'à partir de son histoire, j'ai pu tirer des leçons. Et je dirais que je ne vais pas avoir des mots parfaits, mais je pourrais quand même essayer de reconforter cet ami qui pourra être en face de moi. Est-ce que ça a été le cas avec ta maman quand il y a eu justement ce legs? Parce que moi, je vois ça comme un héritage qu'elle vous lègue, aussi dur qu'il soit, mais ça reste un héritage. Et comment tu as réagi face à ce témoignage de ta maman? Parce que c'est toujours dur d'entendre une maman parler avec des mots aussi durs, aussi difficiles. Comment tu as perçu, comment tu as accueilli ce témoignage de maman? Bien évidemment, c'est toujours douloureux pour un enfant et pour quiconque, hein, de savoir qu'un proche ou une personne qu'on aime a pu passer par ce genre de situation. Mais je pense que toute histoire, tout ce qu'on traverse a toujours un but derrière, en fait. On en tire toujours une leçon derrière. Et il ne faut pas rester sur ce qu'on a vécu, que ce soit douloureux ou peu importe. Le plus important, c'est de sortir de là et d'en tirer vraiment des leçons. Et moi, désolé, mais on va verser un petit peu dans la confidence, si tu nous permets, Dieudonné. Je veux dire, comment maman est arrivée à vous confier cette histoire? Est-ce que c'était quoi le déclic? Est-ce que c'est parti d'une situation qu'elle a vécue, qu'une sœur à toi, un frère a vécue? Pourquoi et comment maman s'est-elle retrouvée à vous faire cette confidence-là? Pas du tout, c'est toujours pendant des dialogues. D'accord. Communication aussi simple et basique. Voilà, basique, qu'elle a réussi à nous en parler. Vu que ça fait partie de son histoire, c'est toujours important de partager. Et vous faites partie d'elle, donc du coup, elle partage son histoire avec... Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Esther. Maman Esther, d'accord. On salue au passage depuis... Elle est dans quel pays? Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Donc, maman Esther, bravo. Merci pour la confidence, évidemment, Béni a partagé avec nous sur ce plateau. Elvis, on parle évidemment, effectivement, de cette capacité-là. Moi, j'ai envie de savoir quel pourrait être le rôle aussi des jeunes. Quand je parle des jeunes, c'est les enfants. Juste à souligner que lui, ça s'est plutôt très bien passé. Il avait à un moment donné, bon, il a dû arriver un peu au stade où il fallait qu'il évacue tout ce qu'il a emmagasiné. Mais je veux dire, est-ce que l'enfant peut avoir un rôle majeur? Ils l'ont souligné aussi, c'est bien d'aller dans les deux sens. Mais si l'enfant observe effectivement qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce qu'il a le droit aussi de jouer un petit peu au médiateur, quelque part? D'accord. Je dirais que déjà, le jeune, il a vraiment une grande responsabilité parce que des fois, dans des familles, quand les choses se passent mal, on a tendance à aller soit chez ta mère qui n'est plus là, en fait, pour aller raconter ce qui se passe. Et du coup, ta mère, elle t'aime, en fait. Tout ce que tu vas dire, même si tu avais tort,
Il va se dire que tu as raison. Ouais. Et du coup, elle va t'inculquer aussi des conseils, il faut faire ceci. Et toi, quand tu vas aller gâcher ouais. chez toi là-bas, en fait. C'est un peu ça. Et aussi la famille. Déjà, quand ta mère, elle n'est plus dans le foyer, quand elle était là, elle connaissait les membres de ta famille. Mm-hmm. Et elle avait déjà séduit ta famille. Ouais. Donc, du coup, quand cette marâtre-là va venir et tout le temps, vous êtes en contact avec les tantes et tout, il y a toujours des conseils qui se donnent. Est-ce que ce sont des conseils positifs? Donc, il faut faire preuve de sagesse aussi. Et en parlant justement de faire preuve de sagesse, je suis obligé de t'interrompre hein, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite aborder la deuxième thématique et nous allons parler de l'électricité, la consommation de l'électricité. Mon cher Morel, avant d'être entrepreneur et étudiant, du coup, comment toi tu gères un peu ta consommation d'électricité quand on sait qu'en Afrique, ça coûte un petit peu cher, surtout pour un étudiant? D'accord. Concernant la consommation d'électricité, nous sommes d'accord qu'elle revient un peu cher en Afrique, comme vous l'avez dit. Ouais. Et si on peut donner quelques astuces pour la limiter, c'est déjà de vérifier la qualité des appareils domestiques que l'on achète en tant qu'étudiant. Parce que on a plutôt intérêt ou on a plutôt tendance à porter un regard particulier sur le prix des appareils que l'on achète. Quand je parle d'appareils domestiques, je parle là des frigos, je parle des télévisions, je parle des ordinateurs, un peu le quotidien d'un étudiant dans sa chambre ou dans sa maison d'étudiant. Ouais. Alors, lorsque je parle de regarder plus la qualité que le coût, lorsqu'on se tarde sur le coût d'un appareil domestique, il ressort qu'il est souvent de qualité médiocre ou mauvaise. Et lorsqu'un appareil de qualité mauvaise, il va de pair avec lui que la consommation qu'il va avoir sur notre quantité d'électricité, si je peux le dire ainsi, sera plus accrue que celle d'un appareil de meilleure qualité. Je parle là par exemple, je prends un exemple tout simple, terre à terre. Prenons le cas des frigos que l'on achète en tant qu'étudiant. Ouais, parce qu'en général, ce sont des frigos de seconde main. Ce sont des frigos de seconde main ouais. et peu sont les étudiants qui accordent réellement un intérêt à la qualité du frigo. Mmh. Mais plus ils accordent intérêt au prix, ouais. au prix auquel il va leur revenir. Alors, les conséquences de ce fait-là, d'accorder plus d'intérêt au prix, est que lorsque vous achetez un frigo de mauvaise qualité, je prends le cas simple, un frigo qui n'a pas de thermostat, il va consommer plus qu'un frigo qui a un thermostat qui fonctionne. Mmh. Et ça, sans même s'en rendre compte, vous allez accroître et augmenter votre consommation d'énergie. Alors moi, j'aimerais plus conseiller mes amis étudiants, mes camarades et frères étudiants, de porter un regard plus particulier sur la qualité des appareils qu'ils achètent ouais. pour réduire leur consommation d'électricité et moins sur le coût. Est-ce que ça reflète que tu as juste, est-ce que les astuces soulignées par Morel, est-ce que c'est des réflexes que tu mets souvent en place, c'est-à-dire quand tu vas acheter du matériel pour toi, est-ce que tu regardes la capacité, la consommation, le voltage, par exemple, des appareils, ou bien toi tu achètes parce que bon, simplement tu en as besoin. Que non, ouais. je ne prends pas en compte tous ces détails-là. Et c'est comme il a dit, je me focalise aussi beaucoup plus sur le coût que sur la qualité. D'accord, plus c'est moins cher et toi ça te va. Exactement. D'accord. Mais comment toi tu gères ta consommation du coup De l'électricité. Je pense au début du mois, je mets, comment on appelle déjà, que je recharge ça depuis l'application Wave. D'accord. Donc, bon, depuis une application Wave, Orange Money et Donc, Free, du coup, d'accord. je mets une somme assez conséquente qui va me tenir tout le mois. Au moins, je sais que peu importe la consommation que j'aurai, je sais que j'ai mon ventilateur, j'ai mon frigo, j'ai mon ordinateur. Moi, en fait, tu recharges ton compteur en fonction des... en fait, tu fais une estimation du matériel que tu as à la maison et tu recharges en fonction de ça. Ou bien tu es un peu comme tous les étudiants, c'est-à-dire qu'on recharge et puis on se dit, bon, je vois un peu la consommation mensuelle. Est-ce que si je recharge 10 000 francs d'unité, est-ce que ça va tenir le mois? Est-ce que toi également, tu es dans cette réflexion-là? Bon, moi, je... Cette expérience estudiantine. Bon, je recharge pour tout le mois, hein, direct. Parfois, j'atteins même l'autre mois, je n'ai pas encore rechargé.
D'accord. Mais lorsque j'atteins l'autre, moi je sais que non, ça fait déjà un mois que j'utilise, il faut que je recharge encore. D'accord. Alors, on a souligné beaucoup de choses. En l'occurrence, Morel, dans son argumentaire qui était très pertinent, il a donné des astuces, hein, au-delà de justement de mettre en lumière cette consommation excessive du courant par les jeunes, mais il a mis en évidence également des solutions. Le fait, par exemple, de regarder le voltage et de regarder beaucoup plus la qualité, la qualité, non la quantité et tout le reste. Mais j'ai envie de savoir une chose, que quand on est étudiant, on a tendance à vouloir posséder du matériel électronique, parfois qui ne nous sert pas à grand-chose, mais on veut l'avoir dans la maison. Est-ce que tout ça aussi, ça ne concourt pas à nous affaiblir un petit peu, à faire en sorte que notre consommation d'électricité, Béni, devient un petit peu excessive et que la facture, quand elle arrive à la fin, elle est un petit peu salée. Par exemple, pour vous les femmes, je suis désolé, ce n'est pas sexiste, mais on voit que vous utilisez beaucoup tout ce qui est Babyliss, tout ce qui est autre chose. Est-ce que tout ça aussi, le fait de vouloir tellement posséder du matériel, est-ce que ça ne nous met pas un peu dans un cercle très compliqué? Effectivement, c'est sur ça que je voulais rebondir. D'accord. C'est que moi, ma technique à moi, c'est que je me passe de certains appareils électroménagers ou voilà, certains trucs qui pourront me servir et je me focalise vraiment sur le nécessaire en fait. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on doit se limiter à ce qui est vraiment nécessaire pour nous, pour ne pas se retrouver à payer en fait des factures qui dépassent notre budget. Exactement. Par exemple, un étudiant peut se passer du micro-ondes, du climatiseur, enfin tout en fonction de nos moyens quoi. C'est vrai, parce que ça, ce sont des, comme l'a souligné Morel, ce sont des appareils qui prennent énormément, qui consomment énormément, surtout un climatiseur, tu es étudiant, tu dors avec un climatiseur. Bon, après ça dépend de tes moyens, si tu as assez un moyen, enfin des moyens qui peuvent facilement gérer une consommation d'électricité en ce qui concerne le climatiseur, dans ce cas on peut y aller. Elvis, on a grandi avec l'éducation à l'africaine. Moi je me souviens, mon grand frère m'avait dit un jour, je cite, parce que moi j'étais quand même un peu béni, c'est-à-dire je dormais avec le climatiseur de 11h à 19h, donc ça tournait à chaque fois. Et puis un jour il m'a dit, tu vas payer le courant dans ta vie et tu verras ce que ça fait. Et j'avoue que depuis que je paye le courant, ça fait mal un peu à la poche. Mais je veux dire, cette éducation, quand même, on a grandi avec ça. Et quand on était plus jeune, on avait papa ou bien maman qui nous rappelait l'utilité d'éteindre effectivement la lumière derrière, de débrancher les prises à chaque fois lorsqu'on allait s'endormir et tout ça. Est-ce que ces petits réflexes-là, tu les as toujours aujourd'hui, Elvis ? Ce sont des réflexes que j'ai acquis au Sénégal. D'accord. Parce que personnellement, au pays, mon père travaillait dans une compagnie d'électricité. D'accord, ce qui fait que la facture de courant, pas, ouais, c'était… Okay, donc d'accord. Du coup, moi je suis venu avec cette éducation-là et je l'applique au Sénégal en colocation. D'accord. Ça ne nous a pas favorisé. Du coup, j'ai dit non, je dois faire profil bas, m'adapter, m'intégrer et tout. Maintenant, j'ai instauré certaines techniques parce que quand je suis venu, qu'est-ce que je faisais? Parce qu'on sait que, au fait, les étudiants doivent avoir des choses prioritaires, genre comme elle a dit, des appareils électroménagers. Pour moi, je vais citer le feu. C'est lesquels Frigo, ça c'est déjà utile. D'accord. En permanence. Ouais. Bon, le ventilateur parce qu'il fait chaud aussi, pour le cas du Sénégal. Ouais. Et c'est un peu ça. Et aussi la manière d'utiliser. Pour ma part, la télé, non sais, pas du tout. Bon, la télé, on a l'ordinateur et le téléphone ici. Hein, d'accord. Comme télé. D'accord. Donc, ouais. pas, on va dire, c'est facultatif. Facultatif. Mais non, d'accord. C'est un peu ça. Là, je parle de manière, genre, prenons pour les 80% d'étudiants, en fait. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Donc, je vais un peu continuer. Et du coup, ce que je fais, j'ai créé une discipline personnelle. D'accord. Donc, du coup, je règle d'abord mon frigo au niveau du 3, à 3 degrés. À 3 degrés. Pour que ça consomme moins. Oui. D'accord. Parce que c'est ce qui est recommandé entre 3 et 4 degrés, en fait. D'accord. Pour les thermostats qui ont une échelle de 0 à 7 ou 5. Bah, je rappelle que vous faites du génie civil en même temps, donc vous savez de quoi vous parlez aussi. Il y a un peu ce côté, d'accord, technique, effectivement. Maintenant, d'autres choses, je fais quoi? On a un fer à charbon. Du coup, pour les habits noirs, bleus, j'utilise ce fer. D'accord. J'allume le gaz, je mets, ça chauffe, je viens repasser. Les habits blancs, j'utilise le fer. Okay. Et quand j'utilise le fer, je branche, je débranche, je repasse. C'est pas que je repasse. Branche et ça reste branché jusqu'à ce que… Les lumières, ouais. les ampoules, j'allume le soir. D'accord. Du coup, la journée, pas besoin, il y a le soleil. La journée, c'est quand je ouvre la porte du couloir, c'est sombre, j'allume, j'éteins, je rentre. Ah ouais, le ventilo, c'est plutôt bien organisé. Le ventilo, c'est aussi le soir. Maintenant,
pour des cas exceptionnels que, comme au Sénégal, là, si je veux jeter vraiment au soleil, j'allume mon jaune, mais pas trop, j'abuse pas. D'accord. Maintenant, bon, l'ordinateur, vu que moi, mon ordi, c'est comme une télé, je dois brancher. Donc, du coup, c'est constamment que je branche ça. D'accord. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que, enfin, bravo. C'est toute une discipline. Non, mais c'est toute une discipline, je suis d'accord avec toi. Mais le défaut, ce qu'il faut, c'est que moi, je peux créer cette discipline. Mais d'autres, mais pour ma part, les colocataires, s'ils ne créent pas ça, ça se joue aussi sur nous parce que nous sommes en colocation. Ben c'est la question donc que je voulais poser à Morel. C'est que c'est un travail d'équipe. Est-ce que tous les étudiants ont cette capacité comme celle d'Elvis, mon cher Morel? On a l'impression qu'en fait, quand on est étudiant, on se dit j'étais un peu sous la tutelle de papa-maman, sous le contrôle de papa et maman. Maintenant que je suis tout seul, j'ai le droit d'utiliser. Il y en a qui mettent la musique toute la journée, il y en a qui regardent des films toute la journée. Donc on n'a pas vraiment cette prise de conscience. On se dit ah tiens, à la fin, Je vais payer une facture d'électricité. De toutes les façons, c'est pas moi qui va payer cette facture, vu que l'argent viendra de papa et maman. Donc il y a vraiment cette absence de conscience, cette prise de conscience-là chez les jeunes lorsqu'on on utilise des appareils électroniques. Est-ce que effectivement, on va dire ce geste du bon étudiant, du bon consommateur d'électricité comme Elvis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ces étudiants nagent vers ça? Je dirais particulièrement non. Car on peut dire que c'est un cas exceptionnel. La majorité des étudiants ont cette envie-là de réduire leur consommation d'électricité. Ouais. Mais il a parlé de quelque chose de très important, c'est la discipline. Mm-hmm. Peu sont les étudiants qui sont disciplinés ou qui adopteront cette même discipline que lui-là. Ouais. Et moi, j'aime plus donner des conseils. Je vais donc conseiller à mes amis étudiants qui peinent à avoir cette discipline-là stricte, car il faut le souligner, il faut l'apprécier. Pour ces étudiants qui peinent à avoir cette discipline stricte-là, je leur conseillerais plutôt de procéder à ce que j'appellerais un sacrifice. D'accord. Dans la vie, on veut tous atteindre certains objectifs. Et pour l'atteindre, par exemple, pour continuer à jouir de ce gaspillage énergétique-là, même si le thème de l'émission, vous conviendrez, c'est comment réduire sa consommation énergétique, pour continuer à jouir du même voltage énergétique que l'on utilise quotidiennement, il va falloir faire des sacrifices. Comme vous l'avez dit, la tranche budgétaire que l'on nous accorde chaque mois lorsque tu es étudiant est fixe. Ouais. Et donc, si tu ne veux pas réduire ta consommation d'énergie, tu seras obligé de réduire autre chose dans ton organisation personnelle. Mmh. Alors, c'est à toi d'être conscient maintenant de faire cette analyse de toi-même pour voir est-ce que tu es prêt à sacrifier, par exemple, cette part de budget que tu as réservée, par exemple, à tes sorties du mois pour augmenter la part de budget que tu consacres à la consommation d'énergie. Mmh. Je crois que lorsque tu auras fait cette étude-là et réalisé réellement que cette part de budget que tu accordes à tes sorties du mois est plus importante que cette consommation d'énergie à outrage que tu fais, je crois que tu pourras procéder à cette introspection-là et réduire maintenant ta consommation d'énergie. Béni, cette démarche-là, tu la suis également? On sait évidemment que dans les pays, en l'occurrence dans le nôtre où nous sommes en ce moment, on a une période de froid, une période de chaleur. Nous sommes malheureusement dans cette période de chaleur, ce qui fait que les ventilos et les clims tournent presque toute la journée. Est-ce que effectivement la démarche soulignée par Morel te sied, ma chère Dieudonné Béni, ou bien toi tu marches un peu à la Elvis, c'est-à-dire une consommation citoyenne bien établie, en l'occurrence une consommation estudiantine? Moi, je ne vais pas dans le sens de Elvis parce que c'est... Non, mais Elvis, il est exceptionnel, ça il faut le dire. Bravo pour la démarche au passage. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je prévois un budget pour mes factures d'électricité. D'accord. Je qui sais... s'élève à combien, si ce n'est pas trop... Moi, je paye mes factures d'électricité après 2 mois. D'accord. Ce qui fait que, enfin, avec ma coloc, bien sûr, on peut payer une facture d'électricité qui s'élève à 40 000, voire 50 000 francs. Waouh, 50 000 francs pour 2 personnes. Effectivement. Vous avez quoi comme appareil? Vous avez une centrale électrique ou... Pas grand chose pourtant, mais on paye assez. Donc du coup, je mets un budget chaque mois qui me permet en fait de régler mes factures d'électricité. D'accord. Et j'ose pas toucher sur mes besoins personnels. Mais est-ce qu'avec ta collègue, à un moment donné, vous êtes dit, écoute, ce serait peut-être bien qu'on essaie de faire en sorte de baisser la consommation, parce que 50 000 francs, donc si vous êtes deux, ça part du principe que chacune donnera 25 000 francs pour gérer la facture d'électricité. Et 25 000 francs, ça veut dire, il faut encore retirer un petit peu dans ce que papa et maman envoient pour subvenir à tes besoins. Et comme l'a souligné Morel, si tu n'as pas une source de revenus extérieure, ça deviendra un petit peu compliqué. Tu l'as dit, tu mets un peu de sous de côté pour ne pas
empiéter en fait sur un autre budget, celui lié par exemple au divertissement ou bien à l'achat de tout ce qui est nourriture ou bien tes besoins personnels en tant que femme. Mm-hmm. Du coup, est-ce qu'il y a eu déjà cette concertation avec ta coloc pour essayer de mettre en place des dispositifs, des besoins, des stratégies à l'image d'Elvis pour baisser cette consommation d'électricité? Bien sûr, on s'est déjà remise en question plusieurs fois pour essayer de pallier à ce problème-là, comme par exemple éteindre les ampoules. Ouais. En journée, débrancher comment ça s'appelle déjà, tout ce qui est possible les PC, à brancher, voilà. Les PC, une fois qu'ils sont chargés, ouais. Débrancher les ventilateurs. On n'a pas grand-chose en fait, on n'a qu'un frigo, des ordinateurs portables, on n'a pas de télé. Est-ce que du coup, comme l'a souligné Morel, est-ce que pour le cas par exemple de notre ami Benny, parce que là du coup Morel va te donner des astuces hein, au cas où, est-ce que là pour le cas de Benny, est-ce que ce n'est pas le frigo, justement, qui consomme un peu plus? Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu la consommation du frigo, vu qu'elles n'ont pas grand-chose, mais avec une facture aussi élevée, on sait bien qu'il y a forcément un appareil qui consomme énormément. Est-ce que ça peut être le frigo dans ce cas? D'accord. OK. Comme l'a si bien dit Régis, on aime plus parler du côté pratique, c'est-à-dire en donnant des astuces pour s'améliorer. Donc moi, j'ai une question pour toi déjà, c'est… Est-ce que le frigo que tu as acheté, il possède un thermostat? J'insiste particulièrement sur ce côté technique-là parce que c'est lui qui accroît ou qui diminue la consommation de nos frigos dans nos foyers. Mmh. Mais les gens ne le savent pas, ils ne se rendent même pas compte la plupart du temps. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un thermostat? Oui, mais je pense qu'il ne fonctionne plus du tout. Ce problème est résolu alors. Ça a maintenu le degré. Si c'était 7, c'était 8, c'est toujours à… À 7. À 7, quoi. Genre, ouais. Si ça va consommer, en tout cas, il y a beaucoup de détails. Mais bon. Donc déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà vérifier est-ce que vous pourriez procéder à une réparation de votre frigo, à remettre sur pied le thermostat, ou est-ce qu'il faudrait carrément le changer? Parce que lorsqu'on parle de changer un appareil domestique, on a souvent cette amertume-là de ne pas vouloir mettre la main à la poche et d'acheter un nouvel appareil. Ouais. Mais on ne se rend pas compte que la quantité d'argent que vous mettez pour solder à chaque fois vos factures, lorsque vous l'accumulez sur un laps de temps, il reviendra même plus cher que la somme que si vous rachetez à nouveau, que vous devez dépenser pour acheter un nouveau frigo. Ouais. Et côté astuce aussi, il y a ce petit point-là que les gens ne remarquent pas la plupart du temps, mais c'est le compteur. Le compteur que nous avons dans nos différentes installations, il arrive parfois que lorsqu'il soit vieux, il n'ait plus les mêmes performances qu'on attend d'un compteur dans un usage domestique. Mmh. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans un appartement ou bien si vous avez des voisins qui disposent à peu près de la même installation domestique que vous. Je m'explique. Par exemple, à Dakar, mmh. on constate que les étudiants sont dans des appartements. Mmh. Et donc, vous avez des voisins qui sont dans le même genre d'appartement que vous, mmh. ayant des mêmes styles d'appareils domestiques que vous. Rapprochez-vous de ces derniers-là et vérifiez si leur consommation est la même que la vôtre. Mmh. Parce que si vous êtes dans un même appartement et que les installations ont été faites par un même propriétaire, en principe, la consommation de votre compteur doit être la même que la sienne. Ouais, logiquement. D'autant plus que si vous êtes tous étudiants, cela est le cas dans votre cas, je suppose, si vous êtes tous étudiants et que vous avez le même nombre d'appareils, votre consommation doit être sensiblement la même. Si ce n'est pas le cas, alors je vous appelle à vous rapprocher de votre propriétaire afin de vérifier est-ce que votre compteur fonctionne normalement comme cela doit être le cas. Ouais. Bah, j'ai rien à dire, hein. Franchement là, il a donné les astuces. Moi, j'ai vu le regard de Juste, il était émerveillé parce qu'il se rend compte que je dois devoir refaire beaucoup de choses apparemment. Est-ce que c'est ça, tu dois devoir revoir beaucoup de choses en termes de consommation. Ouais. Nous-mêmes, la discipline et aussi l'aspect technique avec les compteurs, ouais. Là-bas. Dans les non, mais Juste, pour toi, ça va, je veux dire, tu arrives à mesurer ta consommation. Ouais, ça va au niveau de la consommation. Moi, je parfois, c'est 60 000. Donc du coup, il y a beaucoup de détails à tenir en compte. D'accord. Ah, mais 60 000 quand même pour une facture d'électricité pour un étudiant, c'est beaucoup. Je veux dire, c'est énorme. Des fois 21, 60, 40. D'accord. Moi je reste avec toi, Morel, en quelques mots, parce que effectivement, tu as parlé du compteur. Alors, on rappelle qu'en Afrique, on a deux sortes de compteurs. On a celui avec qu'on recharge, un peu dans celui que notre ami Juste utilise. Et, je pense que bon, moi, j'ai le même aussi. Donc, en termes de consommation, j'arrive facilement à savoir quelle est ma consommation mensuelle. Et puis, on a le premier compteur, celui que je suppose que Benny a, où vous consommez. Et en plus, tous les deux mois, vous devez effectivement avoir une facture qu'il va falloir régler. Est-ce que, du coup, quel est le compteur le plus avantageux, par exemple, pour un étudiant? Est-ce que c'est le premier ou le nouveau, celui qu'on recharge
Est-ce que c'est celui-là le plus avantageux pour un étudiant? Pour moi, je dirais que le plus avantageux reste le deuxième, le compteur que l'on recharge. D'accord, le deuxième, oui. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Je vais vous donner ma consommation énergétique et vous n'allez peut-être pas la croire et, ou bien avoir du mal à la croire, mais je suis dans un style d'appartement, dans un immeuble où il y a par étage, un immeuble de trois étages et par étage, il y a 13 appartements. Et j'aimerais vous dire que chacun de ces appartements a une consommation énergétique d'à peu près 7 000 à 8 000 francs par mois. Et nous tous, nous avons un point commun, c'est le compteur Woyofal, je crois qu'on l'appelle comme ça au Sénégal, ouais. Le compteur que l'on recharge. Donc moi, j'aimerais plus conseiller aux étudiants d'adopter ce compteur-là. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez rédiger une demande auprès de votre propriétaire, lui expliquant le problème que vous rencontrez avec votre compteur actuel, c'est-à-dire le premier compteur, et lui magnifier cette demande-là de vouloir adopter un autre compteur. Là, je pense que vous pouvez aller dans ce sens-là. Oui, effectivement. Ça avait déjà été fait, malheureusement, sans suite. Il y a pas, on avait peut-être relancer le... La demande, oui, certainement. Oui, parce que je pense que ça va aller mieux hein, si vous êtes dans cette... Ça, les gens approuvent ça plus, au fait. Oui, mais c'est beaucoup d'étudiants sont dans cette logique-là. Ouais. Ça approuve, au fait, parce que si l'ancien compteur est vieux, les trucs WiFi, c'est un peu récent, en fait. Ouais. Donc, du coup... La consommation, on la gère mieux lorsqu'on a un compteur à recharge que l'ancien compteur où vous consommez à la fin. Je veux dire, toi, tu es dans cette logique-là, en fait, tu es dans cette démarche. Est-ce que c'est vraiment plus... Est-ce que ça te fait faire des économies lorsque tu es avec ce compteur-là? Est-ce que tu peux te dire, OK, pour le mois, je me prive, par exemple, de la télé, mais je recharge pour 5 000 francs, par exemple. Je me prive de la télé, je me prive de mon woofer ou autre chose. Et comment j'arrive mieux à gérer ça? Est-ce que c'est plus facile pour toi, en tant qu'étudiant, d'avoir ce compteur-là? Pour moi, c'est plus facile parce que dès le départ, je sais au moins que je dois recharger une telle somme. Exemple, s'il faut recharger 20 000 ou 25 000 francs, je sais que c'est moi, personnellement, avec ce que j'ai comme appareil, ça peut me tenir tout le mois, voire même entrer dans le 15 du prochain mois. Et du coup, moi, ça me facilite parce que je n'ai pas à toucher, comment on appelle... l'argent destiné à autre chose, tel que l'alimentation, les besoins personnels et autres. Donc moi, au niveau de la consommation, je n'ai pas de problème. Est-ce que, Benny, moi je reste avec toi, parce que du coup, c'est toi qui as la plus grande consommation d'électricité sur le plateau. Est-ce que c'est des choses que tu discutes parfois avec les parents? Parce que les parents ne comprennent pas souvent comment une étudiante arrive à dépenser autant d'argent pour payer une facture d'électricité quand on sait que voilà elle n'a pas de enfin je pense que tu as sûrement la télé et tout le reste. Ok, c'est pas grave, Borel va t'offrir une télé alors au passage. Non, mais je veux dire, mais est-ce que tu en discutes parfois avec papa, maman, les parents, d'expliquer qu'effectivement la consommation elle est un peu lourde ici? Moi, pour ma part, mes parents ne se préoccupent pas trop des détails. D'accord. Donc, ils se contentent de donner la somme que tu... Enfin, la somme dont tu désires. T'inquiète pas, à partir de cette émission, ils nous regardent en ce moment, à partir de cette émission, ils vont se préoccuper de ça. Donc, c'est un peu à moi de répartir les différentes sommes en fonction de mes charges mensuelles. Hein. D'accord. Mais est-ce que personnellement, ça te fait un peu mal dans le sens où de devoir se dire, ah tiens, j'avais prévu cet argent pour faire autre chose avec, mais je dois devoir donner un peu plus. Est-ce que ça te fait mal un peu de devoir payer une facture un peu salée? Bon, la raison qui me permet de ne pas trop avoir mal, c'est que je me dis je paie après 2 mois. Donc du coup, c'est la consommation des deux mois réunis qui me permettent qui pousse à ce que je puisse payer un peu plus cher, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même douloureux de payer assez cher quand les autres te parlent de 7 000 francs ou de 10 000 francs. Effectivement, Benny, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir participé à Génération News. Morel, peut-être une personne à saluer, vite fait. Non, je salue juste ma mère et mon père au loin. Papa s'appelle comment? Maman s'appelle comment? Papa, il s'appelle Jovial et maman Virginie. Donc, à papa Jovial et maman Virginie, d'accord, je vous envoie un petit coucou. Papa, il s'appelle Jovial. Ouais. Bon, on espère qu'il l'est tout le temps, en tout cas. Il est tout le contraire. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, on salue Monsieur Jovial. Oui, juste. Je salue la famille Aor Musique Triple K, c'est tout. D'accord, et on salue toutes les trois mamans au passage aussi. Benny, on va saluer quelqu'un au passage, vite fait. Je salue mon père Dieudonné, ma mère Esther et mes amis Paolo et Moïse. D'accord. Ah, papa, c'est Dieudonné aussi. Mm-hmm. Bon, voilà, on sait les vents. Il n'est pas allé chercher loin. Papa Dieudonné, la fille Dieudonné, exactement. Oui, Elvis. Je salue mon père.
père, Monsieur Matchingou, ma mère Edwige et Alicia Céleste. D'accord, bon évidemment, on salue tout le monde, hein, les téléspectateurs de Média. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci hein, les amis d'avoir participé à Génération News. Juste, ça a été un plaisir de te recevoir. Béni également, plaisir de te recevoir. Morel, évidemment, Génération News, c'est la famille, tu reviens quand tu veux. Évidemment, Elvis, bah, toujours un plaisir hein, de te recevoir sur ce plateau de Génération News. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.